Tamulolo pousser, décrit les gens. Il n'est plus dans le tombeau. Il est dans sa magnificence. Jésus-Christ, Jésus-Christ, l'homme de Galilée, l'homme de douleur, habitué à la tourmence, incomparable, admirable, conseilleux, prince de la paix, sauveur de l'humanité, l'unique nom qui est au-dessus de tout nom, la magnificence, éternel, sauveur unique, Jésus, 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 incomparable. Amen, amen. Amen. Nous levons la main. Nous saluons le Saint-Esprit. Saluons le Saint-Esprit. Saluons le Saint-Esprit. Ganga lisusu makasi pona Saint-Esprit. Totelemi likolo tobeti maboko makasi pona Saint-Esprit. Amen. Tokotelema likolo tozwa Bible na biso. Nous nous levons et nous prenons nos Bibles. Tous en Akatia Mokanda Nabiso, il y a Romains chapitre 15, verset 4, Bakokotang au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Romains, au chapitre 15, verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance, parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Donc, le témoignage, on est toujours fait ça. Pour le témoignage que nous sommes en train de donner, c'est la même chose que cela a été transmis au travers les Écritures, la Bible. Ceux qui parlent bien la Bible, problème, est la David, ils ont des témoignages. Quand la Bible parle en ce qui concerne David, c'est son témoignage. Amen. 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 Et yango peso sunga biso makasi na témoignage à David. Et cela nous aide énormément en ce qui concerne le témoignage de David. Amen. Amen. Tango pe bazolo ba pona problème ya Shadrach, Meshach na Abednego, eza pe témoignage. Quand on parle de problème de Shadrach, Meshach, Abednego, il s'agit également du témoignage. Et dans toute la Bible, tous ces écrits sont des témoignages. Amen. Amen. Yangobe, biso photo là que ce témoignage édifie Batebele, instruire Batebele, et fortifier Batebele, et puis ça va tout mok Batebele, patience. Ainsi nous aussi, nous devons donner des témoignages pour que cela édifie beaucoup de gens, cela affermisse beaucoup de gens et que cela donne aux gens le courage d'avancer dans la foi. Pour que vous sachiez, cette personne qui est là, il vient d'où et comment est-ce qu'il a reçu Christ. Amen. Gloire à Dieu.
Amen. Gloire à Dieu. Bokoki kokoma lesusu Ephésiens chapitre 4. Wana tozo bandana 17e verset jusqu'au 25e verset. Vous pouvez également écrire Ephésiens chapitre 4 à partir du 17e verset jusqu'au 24e verset. 25e. Ephésiens 4, 17 à 25. Nous lisons. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité, parole du Seigneur. 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Yesu mwana zambe bo moyizela. 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 Tokotambola pona yo bo moyizela. Tokolia pona yo bo moyizela. Tokolata pona yo bo moyizela. Nyoso yo pona yo. Je suis habitué quand je prêche que je puisse chicoter quelqu'un. Alors je... Chicoter quelqu'un. Oh ouais. Alors là, je ne trouve personne à chicoter. J'appelle papa Serge pour qu'il soit là. Amen. Lobi na beta ki kaka mesa na beti mesa makasi esuinga na maboko sikona bi na ko beta nani mvu mtu wana mata na beta kaye. Hier je n'avais frappé que sur la chair, alors j'ai eu mal à la main. Je me suis dit, mais où est-ce qu'il est pour que je puisse bien les gifler? Ça va frapper moko spirituel. Ce sont des frappes spirituelles. Ezo kote sabilo kona kati. Ça fait entrer des histoires à l'intérieur. Beta maboko makasi pona Jésus. Acclame bien pour Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Na makambo na Nzambe. Dans le ministère de Dieu, et ça, ma kamomoko spirituel, c'est les choses spirituelles. Amen. Gloire à Dieu. Ceux qui osent appeler en Zambie,
quand tu as l'appel de Dieu, message moko personnel les organes vie na yo. Tu as un message personnel dans ta vie. Parce que ce qui nzambe abengi mutu, parce que quand Dieu appelle un homme, aso tinda ye. Il envoie. Ata yo soko bengi mutu. Et même toi quand tu appelles quelqu'un, oso tinda mwana. Tu peux avoir l'enfant. Oko yebisa ye. Tu lui diras. Kende pa papa kulutu. Va chez ton oncle paternel. Yebisa ye. Dis-lui. Papa na yo lobi boy ya lobi boy. Ton père a dit ceci, a dit cela. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Soki zamba bengi mutu. Quand Dieu appelle un homme, apesa ka ye message. Il lui donne un message. Personnel. Un message personnel. Oh, yeah, qu'il va dire aux hommes. Moïse. Na bengio. Je t'ai appelé. Kende. Va. Salaboye. Fais ceci. Yebisaba na Israël. Dis aux Israélites. Balongwa. Qu'ils quittent. Bakende ko servir nga. Qu'ils aillent me servir. Yebisa Pharaon. Dis à Pharaon. Atika bana nanga. Qu'il laisse mes enfants. Message Ezakiwa. Le message était celui-là. Pesa moninga mbote. Salut ton voisin. Yebisa message no Ezakande nini. Demande-lui quel a été ton message. Yebise musalenini ba bengelo na nzamba. Demande-lui quel est le travail pour lequel Dieu t'a appelé. Amen. 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 Bobeti maboko makasi pona Jésus-Christ. J'acclame plus fort pour Jésus. Wana batangi mokanda ya Exode chapitre 3 verset 9 à 15. Bazota en kana français mbala moko. Nous lisons Exode, chapitre 3, verset 9 à 15. Du verset 9 au 15e verset, nous lisons. Voici le cri d'Israël sont venus jusqu'à moi. Là, Dieu dit à Moïse. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, quel leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Dieu est esprit. Quand il veut t'envoyer, il te fera entrer dans le spirituel. Il t'enlèvera de la chair. Il t'enlèvera de la force physique. Il te donnera la force spirituelle. Il te donnera le message. Va. Dis à mes enfants ceci. Amen. Gloire à Dieu. Ceux qui m'ont passé un message. Quand quelqu'un a le message. Quelle que soit la manière dont il prêche. Vous le verrez, il entrera dans le message qu'il a reçu. Ainsi, me voyez quand je prêche. Quelle que soit la prédication, que je, donne, je ne manque pas de parler sur le Saint-Esprit et la crainte de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est mon message pour introduire Dieu dans le cœur des hommes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Actes apôtres, chapitre 9, verset 15. Actes 9, 15. Actes chapitre 9, verset 15, nous lisons.
Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. Amen. Amen. Wana bazola ki sa mosala ya Paul. Là, on montre le travail de Paul. Tango bazoye bisananias akende kokuta na Paul. Quand on dit à Ananias d'aller rencontrer Paul, Paul abanda ko persécuter batou. Paul persécutait les hommes. Zamba suyé. Dieu l'a pris, a transformé, il l'a transformé, a dépouillé, il l'a dépouillé pour un travail quelconque. Amen. Amen. Qu'il parle au-dessus de toutes les nations. A témoigné en Israël. Qu'il témoigne en Israël. A kende jusqu'à l'extrémité de la terre. Et qu'il aille jusqu'aux extrémités de la terre. Tiens, l'obako likolo. Lève la main. L'obana zana message personnel. J'ai le message personnel. Pesa mon ngambote. Salut ton voisin. Yebiso foyer ba message na yo. Tu dois connaître ton message. Foyer ba mosala na yo. Tu dois connaître ton travail. Zambe a bengio pona nini. Dieu t'a appelé pourquoi? Beta maboko makasi pona Jésus. Acclame bien fort pour Jésus. Kozwa kamusala nzambe na prophétie moto mosusu te. Ne prends pas l'œuvre de Dieu au travers de la prophétie de quelqu'un d'autre. Mosala nzambe ezala ka prophétie personnelle. Yo moko na Jésus apeso mosala. L'œuvre de Dieu est une prophétie personnelle, toi et Dieu qui te confie du travail. Même si ça ne marche pas, tu commences à dire à Dieu, tu m'avais dit ceci. Aujourd'hui, regarde la vie. Mais c'est toi qui m'avais parlé. Amen. Amen. Ne dis pas à Dieu, tu avais dit à Walesa ceci. Non. Ou allez, ça soit qu'appelle son prophétie. Ou allez, c'est quand je te donne la prophétie. Pour nous confirmer. Pour confirmer. Oyo nzamba sa ebisaki. C'est que Dieu t'avait déjà dit. Tchana boko likolo. Lève la main. Le bon la prophétie en Zambi. J'ai la prophétie de Dieu. Amen. 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 Beta maboko makasi pour la Jésus-Christ. Acclame bien fort pour Jésus. Toko zonge la pona Paul. Nous allons revenir sur Paul. Bonjour Matthieu 4. Vous prenez Matthieu chapitre 4. Bonjour comment? Et vous écrivez. Verset 18 à 20. Verset 18 à 20. Matthieu 4, 18 à 20. Nous lisons. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Amen. Yoka, alors binini, je vous ferai quoi? Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Nazo salabino bato yasika. Je vous ferai de nouvelles personnes. Bonjour, pêchez ma poisson. Vous pêchez des poissons. Mais si on a son pêche, c'est bien là. Maintenant, je vous donne du travail. Bon, on va pêcher partout. Vous commencerez à pêcher les hommes. Moi, je vous ferai. Pour que vous ayez la capacité. Y'a qu'on pêche partout. De pêcher les hommes. Pêche mon égard beauté. Salut ton voisin. Y'a pêché à gabatou, bien au commis à gabatou. Toi, tu pêches les hommes ou bien tu glorifies les hommes. T'es au commis à gabatou. Tu fais fuir les hommes. Yebisenga na pêche à gande bato, monite na pêche bato moussous, moutoua na gamoutou na pêche. Dis-lui, moi je pêche des hommes. Tu ne vois pas là, la personne là c'est moi qui l'ai pêché. Est-ce que ça na moutou mongo a pêché moutou na gati na misou? Amen. La ki sanga na no pêche na ni na gati awa. Soko moni ye kene yamba ye place à zawa. Devinga pêché moutou yo na. Ah? Va embrasser la personne que tu as déjà pêché. Caméra ngé boso zonga kaka donc mutumo caméra ngé moko azaka di boso wate hein. Awa di boso na centre. Azaka te hein. Papa muto asali ka budwalesa. A pêché bobeta moko pona papa bokilo. A pêché ka budwalesa. Caméra ngé moko na kati awa. Amen. 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 Beta maboko makasi pona Jésus-Christ. Acclame bien fort pour Jésus-Christ.
Acclame encore plus fort pour Jésus-Christ. Plus fort Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons commencer maintenant. Amen. Amen. Ce qui nous a mis à Zio. Quand Dieu te prend, il fera de toi un homme nouveau. Amen. 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 À ton salaire qui va cours biblique. Même si tu as fait de cours biblique. À ton salaire théologie. Même si tu as fait la théologie. Au sein de la connaissance des Écritures. Tu as la connaissance des Écritures. Mais ce qui semble à Dieu. Mais quand Dieu te prend. À kotangi sayo nandenge naye. Il t'enseignera de sa façon. Tiens là-bas, Colicolo. Lève la main. Dieu. Longo la connaissance humaine. Enlève la connaissance humaine. Kotisanga connaissance spirituelle. Introduis-moi la connaissance spirituelle. La kisanga banzela na yo. Montre-moi tes voies. Au nom de Jésus. Oui. C'est ce que nous venons de lire dans Ephésiens 4. Il faut tout longo la mutu ya kala. Nous devons enlever l'homme ancien. Zambe tangwa zwaka mutu. Dieu quand il prend quelqu'un. Alongola kaba connaissance humaine. Il enlève les connaissances humaines. Charnel. Charnel. Amen. Amen. Et que ceux qui ont continué nous na école ou en atteint spirituel. Si tu n'es pas encore entré dans cette école là spirituelle. Okotungi sabatu na connaissance humaine. Tu vas trop déranger les gens avec les connaissances. Oko limiter Zambe. Tu vas limiter Dieu. Ceci, vous verrez des gens qui ne sont pas spirituels. Bah mon akabato basa spirituel net ba yebi le côté puis loko baso sala mais ba komi boye ya solo mais révélation ya ma komi war. Est-ce que ça nango? Ils prennent les gens qui sont spirituels comme des gens qui ne comprennent pas. Et on a écrit ceci, on a écrit cela. Est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de lire là? On a bien écrit qu'il est enfant de Dieu. Comment vous vous dites qu'il est Dieu? Amen. 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 Mais révélation, la révélation là, il ne la connaît pas. Amen. Amen. Dieu a une femme là-bas qui a un enfant. Oh. Et la femme là a donné naissance à un enfant. Amen. 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 Bon, ma bon, comme à cas, si bon à Jésus. Vous acclamez fort pour Jésus. Yango Paul abanda koloba boye. Ainsi Paul disait. Boye binga bien Paul. Vous me connaissez bien Paul. Na persécuta. J'ai persécuté. Na yebi loi ma casse. Je connais la loi. Na tanga ngo. J'en ai étudié. Na salama kaminene. Je fais de grandes choses. Mais évangile on a la soite bino. L'évangile que je vous prêche. Mututa tangisanga. Personne ne me l'a enseigné. Na tanga ngo na école te. Je l'ai pas étudié à l'école. Lola. Le ciel. Jésus. Jésus. Mutwa la kisanga évangile. C'est lui qui m'a montré l'évangile. Beta maboko makasi pona Jésus. Paul, Paul, mais yo za docteur ya loi. Toi tu es le docteur de la loi. O banda ko kanga batu. Tu étais en train d'arrêter. O soboma. Tu l'as tué. On a mis baye bien écriture. Tu ne connais pas les écritures. Mais le lundi nous a changé boy. Mais comment aujourd'hui tu as changé? Et ça là qui connaissance humaine. C'était la connaissance humaine. Boli bisanga. Pardonnez-moi. Connaissance intellectuelle. La connaissance intellectuelle. Mais si quoi yo? Maintenant. Na suis révélation. J'ai la révélation. Y'a pas versé wa. De ce verset. Na comprendre ndenge mususu. J'ai compris autrement. Pesa moninga mbote. Salut ton voisin. Il faut oso révélation. Y'a bisé ndenge wani. Il faut oso révélation. Amen. Lisons la parole de Dieu. Galates chapitre 1er. Galates chapitre 1er. Verset 11 à 12. Verset 11. Et puis tu sautes, tu tangues 15 à 16. Galates. Wana Paul Moutazoloba. C'est Paul qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Loba, si on a français bien interprété, qu'on a la lingala. Très bien.
Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai reçu, ni reçu, ni appris d'un homme. Mais par une révélation de Jésus-Christ. Il y a Jésus-Christ. Pende. Oso sauter soit qu'il y en a 15. 15. 15 à 16. Plus à celui qui m'a mis à part. Quand vous êtes pelissi moto à checking à pembeni. Tel le sein de ma mère. Où tel est ma langa? De révéler à moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Bon, Jésus. Révèle-moi, Révèle-moi, Zambela pona ye, Zamba mimoni se pana ye. Prie pour lui que Zambela Dieu soit révélé ye. Que Dieu soit ami révélé pana ye. Que Dieu se révèle à lui. Alléluia. 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 Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu es bon Seigneur. Révèle-toi, oh Dieu. Révèle-toi, Seigneur. Zamba mi révèle panayo. Révèle-toi, Seigneur. Zamba mi monise panayo. Révèle-toi. On soit assurance. Révèle-toi. On soit confiance dans Zambé. On te la confiance. On tambola na tozo tambola na moninga. Que tu marches comme si tu marches. Comme on a le bon konaye. Que tu vois sa main. Zambi wanyi. Mon Dieu. Zambi wanyi. Oh mon Dieu. Zambi wanyi. Oh mon Dieu. Alléluia. Hey. Oh ya baba baba ndu mosa. Hey, kedere mishara wa ko. Roko ndoro boshe kedere ya baba. La saba ku ndoro boshe kedere sa. Kolana nga ye. Kolana nga ye, kolombo. Kolo nanga ye kolombo mobali nanga ye bebe kolombo revele nga bobo zenza kolo nanga ye bebe. On peut s'asseoir. Jésus. Jésus. Bien-aimé, je vais vous dire. Zambe, ce qui a se révélé par la yo. Dieu, quand il se révèle chez toi. Mon Dieu. Tu
tu auras la joie que tu n'as jamais eue. La première fois que j'ai eu l'invitation divine, que le Saint-Esprit m'a parlé, je n'avais plus faim. J'étais assis comme ça. Je dis, le Dieu des cieux qui a fait les cieux, celui qui a créé tout le monde, il m'a parlé. J'étais assis. Je raisonnais. Je dormais par terre. Je priais. La joie dans le cœur. Amen. Amen. Visitation divine. Quand tu as la visitation divine. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Confiance, ma case. Cela m'avait donné la confiance totale. Amen. Amen. De faire certaines choses na maîtrise, avec la maîtrise, na confiance, avec la confiance, na assurance, avec l'assurance. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Makambo ango ebandika na makamike. Les choses ont commencé comme ça. Petit comme ça. Comme j'ai vu que je parlais avec Dieu comme un ami, la première chose, Nasala qui marche. J'ai fait la marche. Il y a deux chroniques 7:14 que tu as lu. De deux chroniques qu'on avait lu hier. Amen. Amen. Pour marcher dans l'humilité. Marcher dans le voie de Dieu. N'est pas monté. N'est pas aimer le monde. Aimer d'abord Dieu. Je partais à la montagne. Je priais pour que le péché quitte mon corps. Quand Dieu me posait notre examen et que je commettais l'erreur, je rentrais en prière à la montagne. Quand je priais, je faisais des jours. Je me suis vu, j'ai changé. Amour, il y a bien ça. L'amour de bien n'y était pas. Tel que je suis là, je ne connais pas l'argent que je possède. Ça, c'est vrai. Je ne sais pas combien je possède. Parce que mon argent est éparpillé. Parce que mon argent est éparpillé. Quand je vois quelqu'un qui souffre, je lui donne 100 000 $. Je lui donne 100 000 $. 50 000. 20 000. 200 000. 50 000. 50 000. 10 000. Nazo pesa. Je donne. Kende osala musala. Va au travail. Ozo pembongo. Que tu aies aussi l'argent. Soko moni ozimbongo. Tu veux, quand tu verras que tu as. Oye kozongi selanga. Tu viendras me remettre ma part. Je ne connais pas le montant exact de l'argent que je possède. Je ne sais pas envier quelque chose. C'est ainsi que j'appelle de grosses sommes, hein, des petites sommes. Quelle que soit la dimension de la maison, je l'appelle ka maison. Pour que cela ne prenne pas la place dans mon cœur. Quand je veux donner ça, que cela ne me trouble pas. Zambiwani. 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 Mon Dieu. J'ai pris ma parcelle où j'habitais au Kasaï. J'en ai donné au pasteur Kabamba. La seule parcelle là où j'habitais. J'ai saboté la parcelle. J'ai dit toi parcelle. Je vois que tu commences à prendre la place. Ah, je te sors de mon cœur. J'aime Dieu. J'aime Dieu. J'aime Jésus. Cet homme Jésus. Jésus Christ. Jésus Christ. Crucifié. Crucifié. Et Seigneur. Il est Seigneur. Et Sauveur. Et Sauveur. Et Seigneur. Il est Seigneur. Et mon Sauveur. Et mon Sauveur. Alléluia. Calling Nzambe.
Aimer Dieu, et ça, mon côté. Ce n'est pas seulement en parole. Aimer Dieu, et ça, kolinga muto aza pembeni na. C'est aimer celui qui est proche de toi. Aimer Dieu, et ça, kolinga muto aza pembeni na. C'est aimer celui qui est proche de toi. Ce qui n'a moni muto yona yeba. Si je vois quelqu'un que je connais azo souffrir, qui est en train de souffrir, tu verras, je ferai comme si j'entre dans la maison. Je vais pleurer. Toi, tu ne sais pas que je pleure pour toi. Je regarde comment tu étais. Je pleure. Je ne t'ai pas connu comme ça. Tu as maigri. Tu n'as plus d'habit. Je pleure et je sors comme si je ne l'ai pas fait. Et je commence à causer avec toi. Mais Dieu connaît le cœur. C'est ça ma force. Force nanga yango wana. C'est ça ma force. Na mimoni na mi retrouvé ka kolinga linga. Kolinga linga. Je me suis retrouvé, je commence à aimer sans limite. Na koki ko sala te journée mobimba sans que na pesa batumbongo. So ki na pesité, esa neti malade. Na so bele tchene moi chibantu makutato. Je ne peux pas faire. Yo na pesi mbongo te. Je ne peux pas faire toute une journée sans que je n'aie fait don d'argent à quelqu'un. Et si je n'ai pas donné, je commence à poser des questions. Toi, je n'ai pas donné l'argent à quelqu'un aujourd'hui. Amen. 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 Gloire à Dieu. Jour moko na soya na ngomba. Un jour, je vais revenir de la montagne. Na kochi na bus. Je suis entré dans un bus. Na Kinshasa. À Kinshasa. Batu bayeba kingate. Les gens ne me connaissaient pas. Na lati nanga kamwa chemise nanga. J'avais porté simplement. Na kochi soda moko. J'ai trouvé un soldat. Azo senga batu mbongo. Il était en train de demander de l'argent aux gens. Abukani lokolo. Il a été amputé d'une jambe. Na bitumba. Il a été amputé d'une jambe. Azo il demandait l'argent. Moi, j'avais pas d'argent. Je lui ai demandé son numéro de téléphone. Il m'a dit, je n'ai pas de téléphone. Je lui ai dit, moi, je te donne mon numéro. Que tu m'appelles. Il a dit, mais papa, je suis en bongo sikoyo. Il dit, papa, mais moi, je cherche les gens maintenant. Mais yo lobi ozo benganga. Toi, tu m'as dit que tu m'appelles. Donne-moi l'argent. Je dis maintenant je n'ai pas l'argent. Mais je lui ai dit je ferai pour toi quelque chose de bien. Appelle-moi à ce numéro. Quand je suis arrivé à la maison, le matin, la personne a commencé à appeler. Quand il a appelé, il a appelé par la cabine. Je Amen. Amen. Je suis allé voir. J'ai répondu. C'est moi. Soldat wana. Les soldats. Vous êtes dans Mutuka. J'étais dans la délivrance. Je lui ai dit, rappelle-moi dans 30 minutes. Il n'est pas. Il m'a pris pour un aventurier. Il est parti. J'ai commencé à rappeler le numéro. Oh, c'est la cabine. Oh, c'était une cabine téléphonique. Soda ya ki osana lokolote. Les soldats étaient venus ici amputer les gens. Cherchez-moi ce soldat. Oh, kenanga soda wa. Cherchez-le-moi. Cabine osalaka wapi? La cabine tu es où? Na keibo lukelanga soda. Cherchez-le-moi le soldat. Soda zomona nate. On le voit lui. Na sala matanga yini semaine. J'ai fait un deuil d'une semaine. Na zolela. Je ne faisais que pleurer. Zambe. Dieu. Na lingaki na sombela soda lopango. Je voulais acheter une parcelle pour le soldat. Zambe sikona ko sala nini pona soda. Maintenant je vais faire comment? Na ko sala nini pona soda. Je vais faire comment pour na ce soldat? Na soda wapi? Où est-ce que je le verrai? Na komona soda wapi? Où est-ce que je le verrai? Hey, zambi wani. Oh mon Dieu. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai pas revu. J'ai croisé quelqu'un d'autre. Je l'ai béni. À la place du soldat. Je ne connais pas le soldat. Mais mon cœur. Zabe! Dieu! Je voudrais que tu témoignes. Tel que tu avais parlé pour David. L'homme selon mon cœur. Comment était le David? Kolimbi saba ennemi. Pardonner ses ennemis. Balinga kakaka mutoa lingiote. On n'aime pas que celui qui t'aime. Il faut kolinga mutoa inakayo. Il faut aimer celui qui ne t'aime pas. Olingiye. Tu l'aimes. Moza prudent. Mais tu restes prudent.
David a sali matanga pour Saoul. David a fait un deuil pour Saoul. Saoul a zoli nga bomayo. Saoul voulait le tuer. Au lieu de pena. Au lieu d'être content. On sali matanga. Mais tu as fait un deuil. On sali nanzembo. Tu as chanté. La koyembe l'ennemi a zon ndo mondo. Tu as composé la chanson pour l'ennemi qui voulait te tuer. L'homme selon mon cœur. Moto na lomote malolenga nga. Sambiwani. Sambiwani. Mon Dieu. C'est Krenanga. C'est ça mon secret. Amen. 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 David. David. Azokanise l'ensemble. Il pensait à Dieu. Organisme mutwa kanise la gabiso. Et pourtant c'est Dieu qui pense. Yoko kosele l'ensemble nini. Toi tu peux faire quoi pour Dieu? Alobi ensemble. Tu dis Dieu. Yo mutwa kanise la ganga. Toi qui penses pour moi. Et loko nini nga nakopesa yo. Est-ce que moi je peux te donner? Nakopesa nini? Je peux te donner quoi? Atali Nicolas atali na. Il a regardé en bas, il a regardé en haut. Alobi ah. Ça dit bon? Nakoki kotonga l'ensemble ndako. Je peux construire un temple pour Dieu. Parce que Nzambe na zomo na été. Parce que Dieu, je ne le vois pas. Ceux qui m'ont dit que na zola là. Quand vous verrez là où moi je suis. Zela nga ebebi na mai. La route de chez moi est totalement détruite. Na kende ki na ville na luki le pango ya kosomba. Je suis allé en ville chercher une parcelle à acheter. Na sur le pango moko 1,300,000. J'ai trouvé une parcelle à 1,300,000. Na ninga ki na somba. Je voulais en acheter. Pour na fanda bébien. Pour rester tranquillement. Dini ya kombo ya kabundi walesa. Digne du nom de Kabundi Walesa. Non, mais t'es. Je dis non. Dans deux jours, je suis allé, je dis tantôt. Esprit ensemble a touché Bissot. L'esprit de Dieu nous a touché. Nous avons dit non. Nous avons vu des maisons. Mais Dieu. Asana mutonkole. Dieu est un mouton colle. Il dort sur la rue. Asana kamwa couloir. Il reste dans un couloir. Tolongole yekuna. Enlevez-le là. Toluka place total. Cherchons un endroit à le mettre. Hey, Zambiwani. Mon Dieu. Zambiwani. Mon Dieu. Zambiwani. Mon Dieu. Zambiwani. Mon Dieu. Mon Dieu. Yesu. Yesu. Yesu.